RMC, l'immanquable grande gueule. Closer, le dernier numéro, là, celui qui sort, c'est Laurent Delahousse, un bébé pour la fin de l'année avec Alice Staglioni. Mm-hmm. Vous allez prendre un procès, là. C'est photo volée. Oui, bien sûr, on va. Enfin, c'est des photos non autorisées. On va prendre un procès parce qu'on est en France, parce qu'il y a un droit à l'image, parce qu'il y a un droit à la vie privée. Ils vont nous assigner parce qu'ils assignent systématiquement. Ils vont gagner de l'argent. Alors, sans présumer, ce sera peut-être 10 000 euros chacun. Ils sont sur une plage publique au Cap Ferré. Sur les images, on voit bien qu'il y a plein de gens autour. La grossesse est un état. Enfin, vous croisez Alice Staglioni, vous allez voir qu'elle est enceinte sur la plage. On ne fait que relayer cette info. Sauf que là, effectivement. C'est une info qui les regarde et qui est privée. Oui, c'est une info privée. En même temps, vous la croisez sur la plage au Cap Ferré. Tout le monde ne va pas sur la plage du Cap Ferré. En tout cas, pas moi. Non, mais tout le monde n'y va pas. Sauf que c'est une info. Qui est une notoriété publique en l'état actuel des choses quand vous êtes au Cap Ferré. Voilà, vous la croisez, elle ne se cache pas, il n'y a pas de trac. Mais c'est des photos. C'est bien ce que je dis. Il est en smoking sur France 2, on n'a pas envie de le voir torse nu. Oui, il n'est pas toujours en smoking, mais pour lui. Ils sont en vacances, tout le monde peut les voir, on partage ça, il n'y a pas de trac. Mais vous, vous prenez la photo et vous en faites un objet commercial qui derrière permet de vendre un magazine et autres, c'est-à-dire sans leur autorisation. On traite une information parce que Laurent Delahousse est un des présentateurs préférés des Français, que lui-même parle assez régulièrement de sa vie personnelle. Il parle aussi de la vie personnelle des autres. Mm-hmm. Voilà. One, two, three, four. L'immanquable grande gueule.